Kunti. Peut-être quelque chose à faire là. Kunti encore, la petite passe et goal. Et c'est l'ouverture du score pour le HC Bien. Et devinez qui a marqué. Eh bien, c'est Damien Brunner. 10 minutes et 35 secondes de jeu pour son retour à la compétition. Damien Brunner, il lui a fallu 10 minutes pour marquer. Künzle, Kunti, Brunner, c'est 1-0 pour Bien. Oh, quel but! Très très bien amené là. La petite déviation, voilà, il n'y a rien à faire pour Niffler. Et Brunner, heureux. On est tout à l'heure, hein, ça fait 7 rencontres qu'il n'a pas marqué goal. Et c'est Salmela qui vient inscrire. Oh, c'est Ullström. C'est Ullström qui est monté sur le côté gauche, pardon. Ça change pas énormément, hein. Ça fait 2-0 pour le HC Bien, 15 minutes 10. Et Ullström qui inscrit son premier but de la saison avec le HC Bien. Et on l'a dit, il y a eu pas mal de mouvements. Ullström a oublié là sur le côté gauche, reprise directe. Et ça fait donc 2-0 pour le HC Bien. Ouais, complètement oublié, ouais, ça tape là. Devant le gardien biennois qui a pu voir le départ du tir. Et là, c'est une réussite de Rapperswil. Tir terrible de Franciszek Kreák. Et après 16 minutes et 31 secondes de jeu, regardez le tir là, ouais, qui surprend Pompe au-dessus de la mitaine. Ah ouais, ça tape le fond du but, rien à dire. Eh bien, on parlait d'une réaction de Rapperswil. Eh bien, elle est arrivée. Qui va se charger de ce penalty. Andruro face à Elien Pope, 17 minutes 58. Et c'est l'égalisation. De partout entre Bien et Rapperswil. Tout est à refaire donc pour les Biennois qui menaient 2-0. Il y a encore de cela 2 minutes 48. On rappelle que lors du dernier match entre ces deux équipes, Bien menait 3-0 avant de perdre 5-3. D'ailleurs, Rapperswil qui atteindra la moitié du championnat cet après-midi, la reprise des goals. Et pendant ce temps-là, c'est le doublé pour Damien Brunner. 37 minutes et 45 secondes de jeu. Damien Brunner qui inscrit le 3-2. Eh bien, quel retour pour le matricule 96 du HC Bien. Il récupère le rebond, alors c'est pas le but le plus difficile de sa carrière. Mais par contre, pour aujourd'hui, c'est le but important pour l'instant. Parce que c'est celui qui donne les 3 points au HC Bien. Pour l'instant. Hein.